Dernier intervenant de cette tranche matinale Kin Matam de ce mercredi 7 octobre 2021. Je reviens sur les Mabanga de Freddy Takidi. Shop Malanda World Business Naron Point Ngaba, Salon Aïchago na route Mokali, Pharmacie Urbaine, Maison Papi Jeki na route Mokali et puis Maison Double na route Mokali. Ala Bokoto. Botoko. Botoko. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien et toi-même. Ouais, ouais, parfait. Malgré Ramezo continuer au Kataratanga, je ne sais pas pourquoi. Espérons que Barolongolongo libéla libéla. Alors, on va parler de l'environnement sans frontières, comme toujours Nenge et Zalarakaka. Nous allons parler des conséquences et dégâts qui causent l'embouteillage dans une ville. Nengana Yebana nous de quoi Alain. Lorsqu'on dit une ville, c'est quoi une ville, Alain Botoko? Voilà. La ville, c'est les lieux d'aisance, le lieu du plaisir, mais aussi le lieu des connexions à haut niveau. C'est ça une ville. Voilà. Donc, et c'est là où on trouve un peu plus d'hommes et de femmes dans un même endroit. Contrairement aux campagnes où les gens vivent en petit nombre et ils vivent en distance très éloignée. Très bien. Voilà. Alors, à l'occurrence, notre ville de Kinshasa, ça peut vraiment s'appeler une ville? Kinshasa, dans le norme actuel qui régisse, les conditions d'une ville, elle est en partie une ville, mais aussi en partie une campagne. Une campagne. Voilà. Pourquoi une campagne encore? Pourquoi une campagne? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux où les conditions d'une ville ne sont pas réunies. Et là, on parle d'une campagne. Quelles sont ces conditions? Une ville, comme je l'ai dit, a trois parties, trois grandes parties. La première partie, c'est l'habitat. Et l'habitat, c'est là où tout est urbanisé. Et quand vous parcourez notre ville de Kinshasa, vous verrez qu'elle n'est urbanisée qu'à 6,4%. Donc, et c'est cette partie-là qu'on peut appeler effectivement la ville. Mais d'autres parties où l'habitat n'est pas urbanisé, donc elle peut s'appeler aussi campagne. Campagne, très bien. Alors, comme nous parlons des embouteillages, comment osons définir un peu embouteillage? Moi, Lingala, ça va bien pour la compréhension, surtout dans la réalité, dans la vie sur Kinshasa. Voilà, vous en avez raison, parce que dans un Pékinois, donc, embouteillage dans Kinshasa, ils ont... Donc, et si on a une vitesse à la makasi, donc on va connecter ça à la manandengue sengeli. On va pouvoir qu'il y ait des classes, il faut qu'on a 6h, à comment 6h15, 6h20, 6h30, à Tangi, et puis à Zongi, on a qu'il y a permis pour respecter les normes. Et puis, il faut que nous ayons des moussala, nous avons des moussala, on a psychologie na yo et vous allez juste ça déjà. Voilà donc et musala pour la production et vous allez mingi mingi ti bon et puis et là on a lingina beta c'était ça bah conséquences ça kolanda embouteillage na Nigeria na kendaki na 2014 kuna na kutaki moi et dimo ko c'est salami déjà pour na pour expliquer bah perte au gouvernement ça ko sala pour na bah bikamba embouteillage. Mais c'est en termes de milliards, il y a des dollars. Mais pas n'importe quoi, faut bâtir des athées. Mais je crois que c'est en termes de millions, parce que bon, ils ont circulé dans le Nigeria, ils en étaient où, ils ont circulé à Waté. Oui, oui. Donc c'est en termes de millions que nous perdons chaque jour à cause de l'embouteillage. Or, bah, millions, on a tout qui investir en gros. Dans le secteur, par exemple, l'agriculture,
par exemple pour encadrer jeunesse, coacher, pour éducation, il y a bien donc en bon wana et toujours perdre en gros, toujours qui convertir en gros pour comment utile. Très bien. Voilà. Alors c'est au bas conséquence au loba, mais elle l'a vraiment causé na nini Alain Botoko. Oui, bako c'est ça nini na lobela kango tango nyonso. Omoni na ville nyon son de na lobby esengeli ba norme ezala to lande la ba norme na ba norme ya sika siko na ville habitant nyon so ya ville ndenge yo za boye ndenge nde kwa luta langa na televizor za bongo aza na mètre carré ya ya bitim ya nzela ya nzela mètre carré et ceux qui ont multiplié le combien 1 mètre carré kuna moto moko ceux qui ont multiplié ndenge to za autour ya ba 13 14 millions na kinja ça donc il faut 13 14 000 km de route mais en 2027 na lobila kango tango parce que biso total a ka mikolo ezoya 2027 ko za 19 millions de kinois donc il faut construire 19 millions de routes 19 000 km de route. Donc ils ont ébélé. Or, on attend au dé tout ça à 2000 ils ont moins ébélé. Faut les apprendre à bâconter au bazar si côté. Faut les apprendre à bâconter au bazar qui bosse au bazar qui bâtal. Bah y'a pas qui côté là au macambo et zoya. Mais y a aussi l'exode de rien là. Bah où tu es. Y'a un mot de perturber macambo y'en sort. Na 2013 bas statistique et maintenant que le bac est na Kinshasa chaque jour roule 5 millions de véhicules. 5 millions, donc 5 millions à véhicules, les gens na balabala. Or, balabala, les amis ont donc, vous êtes déjà stressé. Alors, même les titres, et le bas qui clairement que la plupart, les amis qui ont supprimé dans Kinshasa, les amis qui ont il fallait pas circuler. Les amis qui ont et les cas déjà, âge. Bon, la preuve, c'est que les amis qui ont été, les amis qui ont combi, donc, les amis qui ont été, et les cas déjà, les cas déjà, donc, la norme est si quoi. Nous, tout cas, soit commis 5 ans. Sauf que dans 5 ans, il faut pas être déclasser. Il faut déclasser. Alors, et le Ronini, peut-être, tu as commandé une minute, il y a une autre solution. Mais alors, solution, tu as proposé ça, gouverneur, tu as dirigé ville. Na ministre intérieur, peut-être, tu as appelé une injonction, tu as pouvoir y a quoi intervenir. Ministre, il y a transport, il y a ville, il y a national. Et puis, il y a acteurs, des acteurs, des acteurs, des acteurs, des sociétés civiles, des journalistes, il faut tout impliquer. Tout ça, quelque part, tout ça, deux, trois jours, tout le cas, une solution durable aux villes et aux les solutions durables passent par quoi? Les solutions durables, dans l'objet, par exemple, il faut tout ça, il faut tout ça, pour la gestion environnementale. Tout ça, pour tout ça, Nini. Pour tout le cas, une solution et une solution. Mais dans votre tête, moi, idée à solution, ça t'est pas. Non, idée à solution, ça déjà, idée à solution, ça n'est pas. Et là, il faut tout ça. Comme Banzela est amiguité, il faut au Banzela ou Eza, tout bon qui s'engouine et s'engueille. Ça, c'est la première chose. Le rétablissement des routes. Voilà, rétablissement des routes. Deuxième chose, c'est que discipline, donc valeur morale, na éthique, Eza, la nabiso yonso. Ato, mikumbi, mituka, nabiso, to zozo, Anzela, il faut tous à la discipliner déjà. Et là, il y a Mibali. Et là, il y a Misato, Pézamoutou, Amaka, César, Kolongola, Kotika, Nzela dégagé, Nzela Zala dégagé. Nga, par exemple, la fin à côté à Mongafula. Au moins, il y a Antemata de Kibala, na rond-point. Mingi, Mituke, Kipa, Mituke, Koufa, Eza, Nzela, Zala, Raté, dans le monde entier. Et là, on a ça, ils ont bébé, ça veut dire déjà, ils ont déjà image, ce n'est pas bon. Et puis, bah, station est belle, ils ont. Station service. Bah, oui. Bah, où peut-on placer les stations service? Urbanistique, il y a Mikolo. Bah, on tient la station. Non, non, station est belle. Ils ont grandi partout, il y a des stations. Station est cause à la tête, paiement et habitation. Ok, très bien. Ça, c'est un danger public. Paiement à domicile, Non. Il y a ma place où et dans la station voilà ma station et ça mais et nous pas mutu ya pena linga ki na luba isa mbongo oyu l'état na biso azo bungisa na nzela na katikati ya nzela pour une discipline katikati ya nzela et pesa ka mbongo ebele na l'état
au moins par exemple batambo la kanami tu kame sans plaque ils ont la carte vous avez identifié n'engé nini et puis batambo la na ba plaque moko camouflé ils ont la carte alors yonga na sengi na ba ministre au bazar concerné na nino biso to loba ki changement il faut ça na mboka oyo changement il faut tout mon ango alors changement est singulier pendant ba biloko et sengi mbongo te un peu naoye bisa ba policier au bazar nzela ki bomela bazodo do te bolangwa te bo canaliser ba to se comme il se doit et c'est un bon hôtel pona ko pona ko yebisa ba chauffeur ki bozala bo bolangwa te bozala discipliné te bo sala ba stationnement o esengeli ko sala te eza eza un problème te et pona ko organiser ba we bana za consister comment we wa ko circuler na nzela o basale la mituka aza na gilet o eza florissante. Donc, casque pour la protection. Et puis, azo circuler tout autour, nani, nani, en katikati, à balabala, il faut une discipline. Alors, il faut organiser ces jeunes gens. C'est vrai qu'avec na évolution, y a monde, dengeza, na aussi, démographie, na bison, dengezo, mata. Basan, na place, na bango, na Kinshasa, bawewa. Mais au fait, il faut co-organiser bango. Et c'est na batelier, en dengue, wanande, toko, koto, koloba, wewa. Donc, il faut ça là-bas, Il faut azana, ba permis de conduire. Il faut ba plaque, il faut, moto, nyo, c'est na plaque, nango, pour toi, bah, identifier parce que sinon c'est le désordre et dans le désordre personne ne gagne. Personne. La crainte c'est quoi? C'est que ceux qui doivent continuer boy, na structure na biso toloba boy, changer ou disparaître. Ceux qui ont l'ingé qu'ont changé, te ou qu'ont disparaître. Et je crains que je me suis tout manakine, mais tout que ton dit n'anzela, nous t'entendons la zèle sursauter. Très bien. Alors, que faire, M. Alain, pour résoudre ces problèmes d'embouteillage à Kinshasa? Eh bien oui, j'ai déjà commencé à proposer certaines petites solutions. Les solutions, c'est lesquelles? C'est qu'il ne faut pas que le véhicule vieux de 5 ans entre à Kinshasa. Parce que pour des grands mots, il faut des grands remèdes. Oui. Na maladie ou eza, simbize yanto, ekoti na kati ya misisa ndoto, il faut kisse ya makasi pour bimisango. Donc nous vivons une situation trop catastrophique na gestion ya nini ya Bandela. Merci beaucoup. Alors maintenant que la pluie a repris, danger ezali pour la ville na Kinshasa, Kinshasa, ndengembou les zongi boye à travers le Congo. Parce qu'on a vu des gens mourir, pourquoi on a raté la terrasse, pour avoir flat deux eaux pendant la macadam, zela mobimba, ndekwa la moto. Ah oui, d'abord Maï, ils a puissance mon corps, ils a la tête dans mon dans très puissant. Ah voilà. Et ceux qui ont canalisé étaient hier à Kayaka na ndenge ya bébé ça. Mais ma prévision, il y a banque n'insiste mbala mingi na ba prévision à banque mondiale pourquoi? Il faut pas tomber sur cela. Parce que Banque mondiale a na ba milliards à ébélé ou a contrôlé monde. A na ba équipement ma casse ba mbongo ébélé pour na ko contrôler monde. Ndenge toza boye a na ba satellite ou eza ko tala biso. Et Banque mondiale a lobby boye clairement na rapport na eza affiché ba biso ba toza connecté ba te belé pe na monde baza connecté ba yebi ke na Kinshasa. Bamboula et kobe diluvienne, en fait, on appelle ça de pluie diluvienne. Oui. Bah, pluie, moko ma kasi, et kobe ta koutou mingite, mais betika mouke, mais belé. Alors, et koza la e belé. D'où, il faut tout se préparer déjà, si koyonde. Nga na oka moi, na ba place, ba canalisation ya maï. Toto boaka déjà, ba plastique, toto bouché ba canalisation ya maï. Si ko, to milingi, to milingite. Parce que, ko zongé la biso. Bah inondation, ils ont déjà menacé. D'abord, et là on a zoé papa, on a zoé insister, c'est que Kinshasa est tombé à pour 400 000 personnes, au maximum 400 000 personnes. Nous sommes maintenant 12 millions. Tout ça autour des 12, 13 millions, bah statistiques où tu es banni clairement, il faut tout y est, bah en réalité combien nous sommes. Nous tendons à 2027 à 19 millions d'habitants. Bah quartier net, bah Kingaboa, c'était pas des quartiers habités, c'était des quartiers des dépotoirs, oui. Des usines, des usines qui polluaient na quartier industriel. Les quartiers comme Ngaba, c'était le marécage. On ne pouvait pas construire là-bas. Ça, c'était le lieu où il faut faire des élevages, il faut faire l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a isolé l'université. Et regardez même l'université aujourd'hui de Kinshasa. La place où l'université était placée, cette montagne-là, était une place stratégique.
pour que l'université soit effectivement vue par tout le monde. Et que tout, voilà, on a construit et bon bien aussi quoi. Voilà, et puis maintenant on a construit dans le bassin versant il y a bah maille. Oh bah bâtiment on a bah bâtiment mon gars qu'on a maille belé. Et j'ai craint fort que quand je suis rentré au Tala, parce que ça fait quelques années que j'ai quitté l'université, est-ce que bateau bayebi maintenant c'est ça que bateau bazana c'est le lucolo et monastère bazo kende tout le coin bantalin bateau ne c'était pas fait pour habiter. Ces lieux, c'était les dépotoirs des eaux, dépotoirs parfois de pollution. Donc, il faut tous zonga na kibomoto, tous zonga na dengue sengeli to vivre pour. Très bien. Bah maintenant c'est climatique. Là, on a besoin d'insister. Bah maintenant c'est climatique, ils ont menacé des règlements climatiques. T'as bien yango changement climatique. Na bilo koza ko accompagner yango eza makasi na monde entier. Biso peut toujours vivre en gros, il faut tout changer. Nous lingue na biso ya kota lela environnement. Très bien. Monsieur Alain Botoko, président du comité exécutif de l'ONG ASSF, il est aussi expert en questions climatiques, il a aussi des recherches, il fait des recherches sur les questions du développement durable et du leadership. Merci beaucoup d'être venu. Peut-être pour terminer, les mots de la fin par rapport à tout ce que nous avons dit ici sur ce plateau tout le matin de ce mercredi. Non, résumé, Kinshasa, ils ont un peu de temps, ils ont la résilience, ils ont l'espoir, ils ont la résilience. Et le monde entier, c'est pour ça que la Banque mondiale a payé le gouvernement de Bongo pour emprunter le gouvernement de Bongo et Bélé pour Kinshasa, ils ont la dingue de Zalagi. Ils ont tout accompagné pour le projet Wana ou Babengi Kine. Kinshasa, on appelle ça Kinshasa Elenda, en fait, c'est ça le mot. Kinshasa Elenda, Kin Elenda, c'est un projet au Basali qui non, Baroute Ezon en Andingue Sengeli, l'outil qui est en Andingue Sengeli, parce que Awanazan a tenté à Konobela, que la ville, il faut l'outil qui ne faut pas qu'il y ait la ville. La ville, ma, il ne faut pas qu'il y ait. Et la ville, il faut pas souci dans la ville, il faut pas être la mal utiliser parce que bah ma yuana toko ko utiliser ngo pour na construire la bah jardin pour na construire la mituka pour na bah construire la vaisselle na biso. Donc na alors on a besoin d'insister. Ceux qui osent protéger environnement na yo environnement ko protéger yo. Ceux qui osent protéger environnement na yo te environnement ko menacer yo. Oh bah menace environnementale est à la kamatata na 2019 na Kinshasa oyo to perda ki 260 personnes pour na bamboula. J'ai craint pour trois fois bamboula et kita par rapport à 2019. Donc il faut à tout réfléchir nazo senga na batonyo eza likambo ya président yemo côté eza likambo ya ministre eza likambo ya biso nyo so sa nous interpelle. Merci beaucoup. Alors nazo insister na ba Valère. Il y a éthique, il y a morale. Très bien. Il faut tout zonger l'ango. Numéro de téléphone, et puis on se quitte par là. C'est le 081-51-42-983. Je vais reprendre. Oui. Plus 243-81-51-42-983. Très bien. On peut chercher les Botoko sur Twitter, sur Facebook, sur tout le reste des réseaux. Et nous avons fait ça. Annonce moi, très bien. On a fini. Pour Bakinois, tous ont lancé application mobile moko dans les airs qui viennent. Donc on a bajou les Zoya. Tous ont porté mon projet moko pour nous lancer l'alerte. Donc pour réagir à l'alerte, ils apportent ça l'ango et comment ça dans le monde entier. Merci beaucoup. Alain Botoko, merci depuis l'UPEN. On nous a suivi et bien à niveau UPEN. Christian Ilenda, clin d'œil spécial à toi, Christian Ilenda. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour cette troisième tranche matinale de la semaine. J'étais très heureux de vous la présenter. On a passé des très bons moments avec vous. J'espère que ça va continuer comme ça. Demain, jeudi et vendredi, vous serez avec Issa Longo. Entre-temps, moi je vous quitte et puis je demande au Dieu Tout-Puissant de continuer à nous protéger. Le programme continue sur votre chaîne. Merci, M. Alain Botoko. Merci à vous, merci à Canal Kin.